Matin, nous sommes dans une nouvelle série. Et nous démarrons une série qui est intitulée Laissez-moi vous parler de Jésus. Et nous voulons, durant les prochaines semaines, voire les prochains mois, être sur ce thème Laissez-moi vous parler de Jésus. Est-ce que vous, ces paroles, vous dites Bon, ben ça c'est le pasteur qui dit ça, laissez-moi vous parler de Jésus Mais vas-y, tu peux y aller, on te laisse faire. Mais ce n'est pas simplement pour le pasteur que ça s'adresse. Mais est-ce que vous-même, vous seriez prêt à prononcer cette phrase durant cette semaine et dire à quelqu'un Laisse-moi te parler de Jésus, laissez-moi vous parler de Jésus Alors ce matin, nous entrons dans, dans une introduction et dimanche prochain, nous serons plus dans, dans le sujet en parlant de qui est Jésus précisément. Mais ce matin, en guise d'introduction, dans Laissez-moi vous parler de Jésus j'aimerais vous rappeler que nous avons une mission. Et j'aimerais insister sur le ⁇ laissez-moi ⁇ Ça nous concerne. Ça ne concerne pas les autres seulement, mais ça vous concerne aussi. Nous avons une mission. Souvenez-vous comment finit l'Évangile selon Marc, Marc chapitre 16, verset 15. Eh bien, Jésus leur dit ⁇ allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la... Création. Et certains vont dire oui mais vous voyez c'est pour les pasteurs. Jésus s'adresse aux pasteurs et dit aux pasteurs allez par tout le monde et prêchez. Non 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 non. On a fait il y a quelque temps une série sur euh, le disciple comment être un disciple c'est encore sur internet si vous voulez les revoir. Mais on comprend ici que Jésus s'adresse à des disciples, non pas à des pasteurs mais à des disciples. Et c'est aux disciples qu'il donne cet ordre. Alors peut-être qu'en lisant ce verset dans la Bible en français courant, ça va plus se connecter avec votre quotidien. Voilà comment c'est traduit dans la Bible en français courant. Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Jésus vous demande d'aller dans le monde entier. Le monde entier, ça commence par ton quartier. Parce que... Avec tous les amis qui sont connectés sur Internet, on va dire, c'est où le bout du monde Pour pour la personne qui nous écoute depuis la République populaire de Chine, on est au bout du monde. Drummondville, c'est le bout du monde. Vous ne croyez pas. Et le monde entier, c'est aussi Drummondville, c'est aussi Berthierville, Le monde entier, c'est aussi l'Europe, c'est aussi l'Afrique, c'est aussi l'Asie. Jésus leur dit, dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle et c'est votre mission et c'est notre mission d'annoncer une bonne nouvelle la bonne nouvelle euh, en grec ça se dit l'évangile nous avons l'évangile la bonne nouvelle à proclamer nous avons un, une mission, proclamer cette bonne nouvelle. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau avec le Nouveau Testament. Le principe était déjà là dans l'Ancien Testament. Regardez dans les psaumes, psaume chapitre, euh, le psaume 96, à partir du verset premier, il est dit « Chantez à l'éternel un cantique nouveau » et c'est ce qu'on a fait ce matin. Quoi Il hein, y avait un cantique nouveau En tout cas, on a chanté à l'éternel. « Chantez à l'éternel, vous tous habitants de la terre. » C'est vrai pour nous ici, au Québec, mais c'est vrai pour ceux qui sont à l'autre bout de la terre. Chanter à quand... Bon, d'accord, on est d'accord avec ça. Le dimanche matin, quand on se réunit, on aime chanter. Mais il est dit au verset 3 aussi, il est dit, Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Nous sommes invités à raconter, à dire, à annoncer, à proclamer à toutes les nations que ce soit les premières nations ou les autres, nous sommes invités à raconter à toutes les nations, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, à tous les peuples, nous avons la gloire de Dieu à proclamer, nous avons les merveilles de Dieu à raconter. Est-ce qu'on a des choses à dire ce matin Nous avons cette mission de raconter parmi les nations sa gloire. Verset 4, car l'Éternel est grand. Est très digne de louange, il est redoutable par-dessus de, par tous les dieux. Nous disons ce matin, le Dieu que nous servons est grand et nous voulons que ça sache. Le Dieu que nous servons est digne de louange et nous voulons que ça se sache. Nous voulons proclamer, attester, raconter, dire, prêcher, annoncer une bonne nouvelle. Un Dieu grand, fort, un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant. Et celui qui s'intéresse à nous, et celui qui nous aime, et celui qui nous tend la main, et celui qui a quelque chose à nous dire. Je relis le verset 3 dans la Bible en français courant. Parlez de sa gloire à tous les hommes, chez tous les peuples, racontez ses merveilles. Nous sommes invités à parler de sa gloire. Nous sommes invités à parler de sa gloire. Est-ce que c'est ce que vous faites Laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler de la gloire de Dieu. Laisse-moi te parler des merveilles de Dieu. Laisse-moi te parler de la chose la plus formidable que Dieu ait pu faire pour nous. Il a envoyé son Fils, Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Nous avons une mission proclamer sa gloire, raconter ses merveilles et dire toutes ces choses. Verse, euh, deuxièmement, euh, deuxième point ce matin nous avons quelque chose à dire. Et que personne ce matin n'ose répliquer, je n'ai rien à dire, je ne sais pas quoi dire, laisse-moi te parler, mais, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi raconter, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Écoutez, on va, on, va, on, va, on va sonder cela un peu plus maintenant, vous allez voir que vous avez quelque chose à dire. C'est un principe biblique. L'apôtre Paul déjà disait à Timothée, et je lis ça dans la Bible en français courant, ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici à Timothée un principe de, de leadership, d'enseignement. Il dit, ce que tu m'as entendu dire, dis-le à d'autres qui vont le dire à d'autres. Qui vont le dire à d'autres encore. Et si c'est vrai au niveau euh, du discipleship, du disciple-là, si c'est vrai au niveau euh, du service, si c'est vrai au niveau du leadership, c'est vrai aussi au niveau de l'évangélisation. Juste en prenant la première partie de ce verset, ce que tu as entendu, dis-le. Est-ce que vous avez entendu des choses ici Oui Personne n'est sourd Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Jésus dit ça plusieurs fois, hein, parce que des fois, on a l'impression qu'il y en a qui ont des oreilles pour entendre et qu'ils n'entendent pas. Non, non, si tu as des oreilles, c'est pour entendre. Mais ce que tu as entendu, ce que tu as entendu, annoncer, L'apôtre Paul le dit à Timothée et je pourrais vous le dire ce matin, à vous qui êtes ici, à vous qui êtes à Berthierville. Vous m'entendez bien à Berthierville Moi, j'ai du mal à vous entendre. là Je suppose que vous m'entendez bien. Euh, ceux qui sont à hein, euh, sur Internet aussi, vous m'entendez ce matin, ce que vous avez entendu, annoncé, en présence de beaucoup de témoins, dites-le, racontez-le, gardez pas ça pour vous. Peut-être que vous allez dire, wow, ouais, j'ai appris quelque chose ce matin. Eh bien, ce que tu as appris, dis-le, partage-le. Wow, je ne savais pas que Dieu était si grand. Eh bien, si tu réalises que Dieu est grand, raconte sa grandeur, raconte ses merveilles, partage ce que euh, tu as appris de Dieu, ce que tu as appris, dis-le. Je reviens à Matthieu euh, chapitre 10. Jésus dit, allez prêcher, donc prêcher c'est annoncer, proclamer, prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Et nous voulons proclamer. Le royaume de Dieu, euh, le royaume des cieux dans Matthieu, le royaume de Dieu chez Luc, mais c'est la même chose. Nous voulons proclamer le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et dire il est proche. Et comment ça, il est proche Il est où ce royaume Et Jésus dira que en lui le royaume de Dieu s'est approché de vous. Parce que Jésus s'approche de toi, c'est le royaume de Dieu qui s'approche de toi. Il y a tout un royaume, il y a toute une gloire, il y a, il y a toute une vie différente. Quand on vit dans ce royaume et quand on vit dans le pays de l'esclavage, ce n'est pas la même chose. Et le message que nous avons à proclamer, c'est de dire, il y a quelque chose de différent pour toi. Et c'est tout près. Et c'est juste là. Et son nom, c'est Jésus. C'est lui la porte. Si tu passes par cette porte, tu rentres dans ce royaume. Et au verset 8, il est dit, guérissez les malades, ça c'est les, les effets du royaume. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et j'insiste sur cette dernière phrase, tu as reçu quelque chose. Tu as reçu l'Évangile, tu as reçu Jésus dans ton cœur, tu as reçu une bonne nouvelle, tu as reçu une vie changée, transformée, tu as peut-être été guéri, il s'est passé de belles choses dans ta vie, tu as reçu gratuitement. On ne paye rien ici. Hein. Il n'y a pas de. Vous avez payé l'entrée? Est-ce que vous avez payé pour vous connecter sur internet Est-ce que non C'est gratuit. Et le message que nous proclamons, c'est un message gratuit. Et Jésus dit vous avez reçu gratuitement et quand on comprend gratuit, c'est bien plus que il soit de payer, c'est aussi il n'y a même pas d'œuvre à faire. On n'achète pas son salut. On gagne pas son ciel. C'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est le don gratuit de Dieu. Vous avez reçu gratuitement donner gratuitement. Mais le principe est tu as reçu, donne. Tu as reçu, donne. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Si tu as reçu quelque chose de Dieu, donne-le. Ne le garde pas pour toi. Que ce soit une bonne nouvelle, une révélation, un, quelque chose que tu as compris, tu as reçu de la paix, tu as reçu de la joie, donne. Donne de la paix, donne de la joie, donne de l'amour, donne de la vie que tu as reçue de Dieu. Bon. Est-ce que tu as reçu quelque chose Est-ce que le Seigneur a déjà parlé à ton cœur un jour Est-ce que le Seigneur a visité ta vie un jour Est-ce que tu dis, mais avant j'étais dans les ténèbres, maintenant je suis dans la lumière Eh bien, dans cette série, laissez-moi vous parler de Jésus. On veut être dans le mode, j'ai quelque chose à donner. Et le quelque chose que j'ai à donner, c'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'or, c'est le nom de Jésus. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que tu as, donne-le. Donne le nom de Jésus. Donne ce que tu connais de Jésus. Et ça va faire un miracle, ça va faire des belles choses dans la vie de ceux à qui tu veux donner. Maintenant, si tu refuses de donner, tu prives ceux qui t'entourent d'une bénédiction. Mais ne dis pas j'ai rien à donner. Ce serait mépriser l'Évangile. Ce serait sous-estimer l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et si tu as reçu l'Évangile, waouh, as la puissance de Dieu, tu l'as reçue L'esprit qui a ressuscité, prise d'entre les morts, habite en toi. Waouh, c'est pas rien ça. Ce que tu as reçu, donne-le. Et dis pas, oh, c'est pas grand-chose, c'est juste quelques pains et quelques poissons. Ça peut nourrir du monde, quelques pains et quelques poissons. Quand on met ça entre les mains de Jésus, vous le croyez pas Tu dis, oh, c'est pas grand-chose, juste un peu. Non, non. Ce que tu as, donne-le. Et je, même si je m'éloigne un peu de mes notes, mais je pense qu'il faut le dire ce matin, souvenez-vous de Gédéon. Gédéon, l'ange de l'Éternel vient le voir et dit, ouais, salut, vaillant héros. Où ça Un héros Gédéon dit non, un zéro. <laughs> mais certainement pas un héros. J'ai peur, je suis petit, mais je suis de la plus des tribus, ma famille est toute petite. Je suis... non non, moi, compte pas sur moi pour faire des exploits. Et Dieu, l'ange de l'Éternel, dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Et Gédéon dit, j'ai rien. Et Gédéon il y a un problème avec toi. Tu as quelque chose et tu ne le sais même pas. Et l'ange de l'Éternel lui dit, va avec cette force que tu as. Et ce matin, que personne n'ose dire, j'ai rien reçu. Si on y réfléchit bien, vous avez certainement reçu quelque chose. Et ce que tu as reçu, donne-le, communique-le. Parce que ça va faire un miracle dans la vie de ceux qui t'entourent. Et que tu sois capable de prononcer ces mots, laisse-moi te parler de Jésus. Il a changé ma vie. Il a transformé ma vie. Il a, il a donné sa vie pour le monde, pour moi et pour toi. Laisse-moi te parler de Jésus. Je reviens à l'évangile, Luc chapitre 9, verset 12. Et dans ce principe de donner encore, on parlait de multiplication et c'est justement là euh, cette histoire. Le jour commençait à baisser. Les douze s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages, dans les campagnes des environs pour se loger et trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Et les douze sont en train de dire à Jésus, il n'y a rien ici pour manger. Le lieu est désert, on ne pourra rien faire ici, il faut qu'ils aillent ailleurs. Et Jésus leur répond, donnez-leur vous-même. À manger. Les disciples disent, On n'a rien. Et Jésus dit, c'est pas vrai. Donnez-leur ce que vous avez. Donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, Mais on n'a que cinq pains et deux poissons. Et Jésus dit, Ça va. Donne ce que tu as. Le Seigneur n'attend pas que tu donnes plus que ce que tu as. Jésus dit pas aux disciples, Tu as cinq pains et deux poissons, eh bien, va trouver. Euh, je ne sais pas moi, cinq pains, deux poissons, pour cinq mille hommes, faut combien de pains Où est notre cuisinière, là Ils ne disent pas, euh, va chercher quelques milliers de pains et quelques centaines de poissons. Non, non, il dit, ce que tu as, tu le donnes. Et il y avait cinq mille hommes, Jésus a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Et vous savez comment Jésus va prendre ces cinq pains et ses deux poissons et juste avec ce qu'ils avaient, un miracle prend place. Pourquoi Parce qu'ils donnent ce qu'ils ont. Ils peuvent pas donner plus que ce qu'ils ont, mais ce qu'ils ont, ils le donnent. Et ils disent, nous on n'a que cinq pains et deux poissons. Et Jésus dit, avec ça on peut faire un miracle. Alors ne dis pas, j'ai n'ai pas grand-chose, je n'ai pas assez de force, juste le peu de force que tu as. Donne-le au Seigneur, j'ai pas assez de temps, le peu de temps que tu as. Donne-le pour le royaume de Dieu. Je pas assez d'énergie, j'ai pas assez, je pas assez, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis entre les deux, je suis je suis pas, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis pas Non non, ce que tu as, donne-le. C'est pas grand-chose, ça suffit pour le Seigneur. C'est un principe ici. Au lieu de dire les autres le feront, le Seigneur compte sur toi. À force de compter sur les autres, il n'y a plus rien qui se passe. Vous savez, des fois, euh, dans l'Église, on dit Oh non, 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 mais les autres le feront, les autres le feront. Vous savez, dans un orchestre, euh, un orchestre philharmonique, il y, y a plusieurs violons. Hein, je ne sais pas combien il y en a. Sophie, il y a combien de violons 50, 40 À peu près 40 violons. Vous dites Un de plus, un de moins, ça ne doit pas s'entendre, non puis il y, a, il y avait un, un violoniste qui disait, ce soir-là, ça ne me dit pas d'aller jouer, il fait, il fait moins 26 dehors. <laughs> Je vais rester à la maison, il y en a qui disent, moins 26, ça se peut pas. Si, si, c'est ce qu'on a ce matin à Drummondville. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, ils sont en Afrique, ils disent, non, non, il a dû se tromper le pasteur. Il a dû dire 26, c'est vrai que c'est froid 26. Non, moins 26. <laughs> 26, c'est froid dans certains pays, hein. plus 26, mais bon. Alors, je reviens à mon violon. Et le violoniste dit, je ne vais pas y aller, je vais envoyer un de mes amis. Écoute, tu prends le violon, tu fais semblant de jouer, tu ne touches pas les cordes, hein, tu fais semblant de toute façon. Un violon de plus, un violon de moins, ça ne s'entend pas. Et quand le concert a lieu, chef d'orchestre envoie les violons, il n'y a rien qui joue. Il n'y a aucun violoniste qui est venu, tout le monde s'est fait remplacer. Comprenez que quand on compte sur les autres, ah, il y aura bien quelqu'un d'autre, tu y aura quelqu'un d'autre. Non, non. Ne, ne pelle pas ta neige dans la cour du voisin. Ce que tu as à faire, fais-le. Tu dis, ce pas grand-chose, mais c'est un pas de grand-chose qui fait une différence. Cinq pains de poisson, c'est rien, mais ça suffit pour faire une différence. Comment ça s'est passé avec les disciples Regardez Jean, chapitre 1, verset 43. Au tout début, quand Jésus rencontre les disciples, il est dit Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontre Philippe. Et il lui dit simplement suis-moi. Et avec cette rencontre et cet appel, Jésus appelle un homme et il l'appelle à le suivre et Philippe répond à cet appel je te suivrai et il marche maintenant avec Jésus. Et il est dit Philippe était de Bethesda, de la ville d'André et de Pierre, Philippe rencontre Nathanaël. Vous avez vu que c'est le même mot, le même verbe ici. Jésus rencontre Philippe. Philippe rencontre Nathanaël. Et on pourrait après dire, Nathanaël rencontre, qui rencontre, qui rencontre. Et quand Philippe rencontre Nathanaël de la même manière que Jésus l'a rencontré, eh bien, il lui dit, nous avons trouvé. Un peu fort quand même, parce que a l'impression que c'était plus Jésus qui avait trouvé Philippe que Philippe qui avait trouvé Nathanaël. Mais enfin, euh, Philippe dit à Nathanaël Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors évidemment, pour nous, on dit Mais de qui il parle celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé Eh bien, écoutez, pour les juifs de l'époque, c'est clair. C'est le Messie, c'est le prophète comme Moïse. Moïse avait dit Dieu suscitera d'entre parmi les frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et Philippe est en train de dire à Nathanaël Tu sais ce que Moïse avait dit Ça y est, il est là. C'est Jésus. Tu sais ce que les prophètes ont annoncé Les prophètes avaient annoncé un libérateur. Les prophètes avaient annoncé un Messie, quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit et qui communiquerait l'Esprit Saint et qui libérerait le peuple eh bien, de l'esclavage. Nous avons trouvé ce Messie dont les prophètes ont parlé, dont Moïse a parlé, et on l'a identifié, c'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe est en train de dire à Nathanaël, laisse-moi te parler de Jésus. Philippe a fait une découverte. Philippe a fait une rencontre. Philippe a découvert Jésus. Avant, il ne le connaissait pas, maintenant il le connaît. Et il dit, ce Jésus que je viens de rencontrer, qui m'a appelé à le suivre, j'ai la certitude que c'est lui que, qui avait été annoncé par Moïse, qui avait été annoncé par les prophètes. Et alors, Philippe dit à Nathanaël, laisse-moi te parler de Jésus. Et Nathanaël dit, Jésus Nazareth et voilà ce qu'il dit au verset 46 Nathanaël répond peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Comprenez que Nathanaël est perplexe, il est sceptique. Et laissez-moi vous dire que aujourd'hui encore, on risquerait d'avoir ce même genre de réponse. Quelqu'un dira "J'ai trouvé dans la Bible, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé le fils de Dieu, j'ai trouvé le sauveur de mon âme" quelqu'un est-ce que dans la religion, il peut y avoir quelque chose de bon encore Est-ce que dans la Bible, ce vieux livre, il peut y avoir quelque chose de bon Est-ce que dans Jésus, mais écoute, Jésus, c'est fini, c'est passé, on a fait une révolution, tranquille, et maintenant, on vit autre chose. Non, non, il peut y avoir évidemment ce genre de, de réflexion, de réaction. Nathanaël, lui, c'était par rapport à, à Nazareth, c'était méprisant Nazareth quand même. Est-ce que, un petit peu, Nathanaël se disait dans sa tête, non mais... Jésus, le Messie, venir de Nazareth, non, ça ne marche pas. Philippe, tu dis n'importe quoi, tout le monde sait que le Messie, il doit venir de Bethléem. Et ton Jésus, il vient de Nazareth. Ça ne marche pas. Si encore tu me disais qu'il était né à Bethléem d'une vierge, je pourrais te croire. Mais tu me dis qu'il vient de Nazareth, ça ne marche pas à ton affaire. Eh, hey, Jésus, il est né à Bethléem. Il vit à Nazareth. Mais il est né à Bethléem. On dit Jésus de Nazareth parce que c'est le village son origine, c'est là où il vit actuellement, mais Nathanaël ne sait pas encore que Jésus est né à Bethléem. Et le monde dans lequel nous sommes est dans la même position. Ils sont là en disant ça marche pas, c'est pas possible. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas. Et si Nathanaël est là dans cette perplexité, c'est parce qu'il ne connaît pas Jésus encore. C'est parce qu'il ne sait pas tout concernant la vie de Jésus. Il ne sait pas comment Jésus est né. Il ne sait pas où Jésus est né. Il ne connaît pas comment il a été protégé eh bien de la mort alors que le roi a voulu tuer eh bien tout, euh, euh, tous les bébés de son âge à cette époque-là. Il ne sait pas euh, tout, tout ce qui a pu se passer, comment Jésus, à l'âge de 12 ans déjà, a, il y avait des signes comme quoi il, il s'occupait des affaires de son père dans le temple. Enfin bref, Nathanaël ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais parce qu'il ne sait pas, il doute et il remet en question. Et Philippe ne prend pas Nathanaël de haut et il lui dit, « Écoute Nathanaël, tu as beaucoup de choses à apprendre encore. Mais pour connaître Jésus, il faut que tu viennes et tu verras. Viens et vois. » Philippe répond simplement, « Viens et vois. » Philippe n'essaye pas de lui faire une démonstration théologique, Philippe n'essaye pas de, de le convaincre par toutes sortes de raisonnements. Philippe est en train de lui dire Tu sais, le Jésus dont je te parle, c'est quand je l'ai vu et quand il m'a parlé que j'ai eu la conviction et que je savais et que j'ai compris. Et de la même manière aujourd'hui, lorsque nous disons Laissez-moi vous parler de Jésus lorsque nous disons Laisse-moi te parler de Jésus, ce n'est pas pour dire à quelqu'un, je vais t'expliquer, je vais te donner un cours, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, mais c'est pour dire, je veux te prendre par la main et je veux t'amener à venir et à voir par toi-même. En d'autres termes, à expérimenter, pas simplement à connaître, pas simplement à savoir parce qu'on t'a dit, mais à expérimenter, à savoir parce que tu es venu et que tu as vu de toi-même. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? répond Nathanaël. Philippe lui dit, Viens et vois. Et nous pouvons répondre la même chose encore aujourd'hui à ceux qui nous entourent et qui sont sceptiques et incrédules en disant, Viens et vois. Regarde, constate et si tu t'approches, si tu expérimentes, si tu cherches, il va parler à ton cœur. Et laissez-moi vous dire que c'est la même chose aujourd'hui encore. Laisse-moi te parler de Jésus, laisse-moi te donner le goût de t'approcher de lui et de laisser Jésus lui-même parler à ton cœur. Voilà ce que nous voulons communiquer aux autres. Philippe lui a appris quelque chose et il le donne. Philippe a découvert et il le partage. Philippe a rencontré Jésus a rencontré Philippe, Philippe et Jésus se sont rencontrés et quand Philippe rencontre Nathanaël, il transmet il communique ce qu'il a reçu. Nous sommes appelés à transmettre, à communiquer et à dire ce que nous avons reçu. Le troisième point ce matin, c'est nous voulons le faire et nous devons le faire avec passion. Être passionné. Est-ce que vous connaissez des gens passionnés, des gens tellement passionnés qu'ils n'arrêtent pas de parler de leur affaire, quelqu'un qui est tellement passionné. Par son char, qui parle toujours de son char, de ses nouveaux bumpers, et puis ceci, puis son moteur, qui a un V dans son moteur, et puis il y en a huit ou je sais pas trop quoi, puis qu'il y a une injection quelque part, et puis que ça carbure, et qu'avant il consommait tant de litres au sang, maintenant il en fait moins parce qu'il a changé une soupape quelque part. Et puis, un tas de choses qui ne nous intéressent pas, mais lui il est tellement passionné qu'il n'arrête pas, qu'il n'arrête pas de nous parler de ses affaires. Vous connaissez des gens comme ça Soit avec soit de la tech ou passionné tellement par les Canadiens de Montréal, qu'il nous dit les statistiques qu'on en est rendu à tel chiffre et que l'un, et puis je sais plus trop quoi, depuis qu'il parle plus français, les autres jouent mieux, enfin je ne sais pas quoi. Mais... Bon. En tout cas, il y en a qui sont passionnés par leurs affaires et tellement ça les passionne. Mais même si c'est des choses qui sont passionnées par euh, par la danse en ligne, par ceci puis qui veulent nous expliquer, mais et nous est-ce qu'on est, qu est passionné par quelque chose Est-ce que comme on l'a chanté ce matin, il est notre raison de vivre et qu'il est la seule chose qui compte pour nous Mais si nous sommes vrais, sincères et honnêtes et si nous sommes passionnés par L'amour de Dieu, si nous sommes passionnés envers Jésus en disant mais on l'aime avec passion, pas d'un amour sur le bout des lèvres, mais on l'aime vraiment. Et plus encore, c'est un amour fort, un amour vif, un amour passionné. Si vraiment il y a cette passion dans notre cœur, on devrait en parler. On parle de ce qui nous passionne. Et quand on dit à quelqu'un, laisse-moi te parler de... On ne va pas parler de choses qui ne nous intéressent pas. On va parler des choses qui, qui nous passionnent. À cause du jour, hein? en disant, « Waouh, ça, ça me passionne, j'ai appris quelque chose, il faut que je te le dise, j'ai lu ça dans le journal. Waouh, tu te rends compte Tu te rends compte de ce qui se passe ?» Et puis, puis, non, vous n'avez pas des, des discussions comme ça, enflammées, passionnées Mais avec l'Évangile, ça devrait faire ça Si, si nous sommes passionnés par l'Évangile, on devrait en parler passionnément. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de réconciliation. L'apôtre Paul dit, tu sais, quand, quand Jésus est venu, c'est Dieu qui était en Christ, en Jésus-Christ, et il est venu pour réconcilier le monde. Avant, on était comme condamnés, coupables, et Jésus est venu pour amener la paix entre l'homme et Dieu. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver, pour réconcilier le monde avec Dieu, avec lui-même, puisque c'est Dieu qui réconcilie le monde au travers de Christ, en imputant point aux hommes leur offense. Et on n'est plus là comme sous le poids de notre culpabilité, parce que Jésus paye à notre place. Mais il a mis en nous... Cette parole, ce message de paix, de réconciliation, à savoir, Jésus est le seul médiateur, c'est lui seul qui peut réconcilier Dieu et l'humanité, Dieu et toi. Et le verset suivant, au verset 20, l'apôtre Paul dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs, on est des représentants. Un chrétien, littéralement, c'est quelqu'un qui ressemble à Christ, c'est un petit Christ. C'est un représentant, c'est un ambassadeur. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas passionné, ça Quand on dit je t'en supplie, nous vous en supplions, ce n'est pas écoute, si tu as le goût, si ça te chante, si tu as envie, non, non, c'est je t'en supplie. C'est important, c'est capital, c'est une question de vie ou de mort. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et lorsque nous disons ⁇ Laisse-moi te parler de Jésus ⁇ que nous puissions avoir la même passion qu'il y avait en Paul en disant ⁇ Je t'en supplie ⁇ Ce n'est pas juste une proposition, ce n'est pas juste une suggestion, c'est une supplication. Parce qu'on sait que c'est important. Quand quelqu'un est en train de prendre une route qui conduit à la mort et on sait qu'il y a un chemin qui conduit à la vie, il faut dire écoute, tu choisis. Hein, soit tu veux vivre, soit tu veux mourir. Tu sais, je t'aime bien, hein, mais bon, si tu veux mourir, c'est ton choix. Hein. Écoutez, si c'est quelqu'un qu'on aime et si on réalise l'importance du message, on ne va pas dire écoute, faites comme vous voulez, de toute façon, moi, je sais où je vais. Non, non, je t'en supplie. Je ne veux pas, parce que je t'aime, je ne veux pas que tu prennes un mauvais chemin qui conduit à la mort. Il y a un chemin étroit et resserré qui conduit à la vie. C'est Jésus. Nous vous en supplions. Jésus lui-même pouvait dire dans Luc chapitre 6 que l'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur et le méchant de mauvaises choses de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je relis ce verset dans la Bible en français courant, où il est dit que l'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce matin Est-ce qu'il y a une petite flamme Est-ce qu'il y a un feu Est-ce qu'il y a un peu de chaleur Ou est-ce que ça boue Est-ce qu'il y a de la passion ou un peu de. un petit quelque chose Si dans ton cœur, ça boue, si dans ton cœur, il y a de la passion, si dans ton cœur, il y a. Il y a de l'amour pour Dieu et un amour qui est grand, qui est grand et qui est grand. Eh bien, la bouche va exprimer ce qu'il y a dans ton cœur. Mais s'il n'y a rien qui sort de ta bouche, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de pression, hein? un peu le principe de la vapeur, si, euh, comment on appelle ça, presto Presto, comme ça une cocotte minute, on dit en, en Europe. Je ne sais pas si c'est mieux. Euh, S'il n'y a pas de chaleur et si c'est froid, il n'y a, a pas de vapeur, il n'y a rien qui sort. Mais hein. quand il y a le feu, il faut que ça sorte. Puis si ça ne sort pas, ça risque d'exploser. Non Est-ce que ça nous arrive de lire ce genre d'expression ?« Il faut que je te le dise, sinon je vais exploser !» Laisse-moi te parler de Jésus. Il faut que je te le dise, sinon ça va exploser. Il y a une passion, il y a un feu, il y a quelque chose en moi, c'est important. C'est dans mon cœur, il y, a, il y a tellement de bonnes choses pour toi, je peux pas le garder pour moi. Il faut que je te le dise. Laisse-moi te parler de Jésus. Et si dans ton cœur il y a ce zèle, si dans ton cœur il y a cet amour, si dans ton cœur il y a cette flamme, si dans ton cœur il y a ce feu, ça va sortir. Maintenant, s'il n'y a rien qui sort, ne me dis pas qu'à l'intérieur, il y a droit. De... Je veux dire, c'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi, hein? je ne veux pas vous offenser, mais ce que je comprends de ce que Jésus dit ici, c'est que s'il n'y a rien qui sort de ta bouche, si tu ne parles pas de Jésus, c'est que tu ne l'aimes pas tant que ça. Si tu ne parles pas de Jésus, c'est qu'il n'est pas si important que ça pour toi. Si tu racontes pas ses merveilles, sa gloire, ses hauts faits, combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est extraordinaire pour toi, c'est que peut-être qu'il n'est pas si important pour toi. Aïe aïe. Aïe, aïe. Enfin, c'est ce que Jésus dit. C'est logique. Si vraiment on l'aime, si vraiment il est important, si vraiment on réalise que c'est la seule réponse pour le monde perdu dans lequel nous sommes, que c'est le seul espoir pour l'humanité, que c'est une question de vie ou de mort qui détermine l'éternité de ceux qui nous entourent, quand on réalise ces choses, on ne peut pas dire, j'aurais bien quelque chose à te dire, mais ça peut attendre, on en reparlera. Non, il faut que ça sorte, il faut que je t'en parle. Parce qu'à l'intérieur, c'est plus fort que moi, ça boue, c'est... Quand Philippe a réalisé que Jésus était l'accomplissement des prophètes, quand Philippe a réalisé que Jésus c'était celui dont Moïse avait parlé, puis ça faisait des années, des années, des centaines d'années qu'on l'attendait, et maintenant il est là, il dit hey, Je ne peux pas garder ça, Nathanaël, il faut que je te le dise. Et si nous avons cette passion en nous, ça va sortir et ça va être notre priorité. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, et il écrit aux Colossiens, voilà ce qu'il dit, il dit, priez. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. L'apôtre Paul est en train de dire, priez avec moi. C'est quelque chose d'important, c'est ma priorité, c'est mon désir, c'est mon zèle, c'est ma passion, c'est ce que je veux. Priez afin que je puisse annoncer la parole, le mystère de Christ, et qu'une porte pour la parole puisse s'ouvrir, que Dieu ouvre une porte. Là encore, ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse, ce qui nous préoccupe, va être l'objet de nos prières. Si on ne prie jamais pour le salut des autres, c'est que ça ne nous intéresse pas. On prie pour ce qui nous intéresse. On prie pour ce qui est important pour nous. L'apôtre Paul dit, pour moi, ma priorité, c'est qu'une porte s'ouvre et que je puisse annoncer, proclamer. Il se souvient que Jésus a dit, allez par tout le monde et proclamez cette bonne nouvelle. Et il dit, il faut que je proclame cette bonne nouvelle, il faut que j'annonce cette bonne nouvelle, priez avec moi pour cela. Et il continue, il dit, priez pour que je puisse le faire connaître comme je dois en parler. Et vous savez, L'apôtre Paul demande ça, et chacun de nous pourrions demander ce même genre de prière, en disant l'un à l'autre "Prie pour moi", afin que, au travail, à l'école, dans ma famille, dans mon quartier, et comme une porte qui puisse s'ouvrir. Vous savez, des fois, il y a des moments comme ça où il y a des gens qui viennent vous dire "Mais raconte-moi, as fait quoi dimanche Vous allez raconter quoi Ah, dimanche, j'ai pelleté de la neige. Je suis allé à l'église, hein, à l'église. Et, et là, vous dites, justement, laisse-moi te parler de Jésus. On en a parlé à l'église. Et des fois, il y a des portes qui s'ouvrent comme ça, qui des opportunités. Et l'apôtre Paul dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent que je puisse faire connaître Jésus comme je dois en parler et qu'on puisse prier chacun pour notre part, et je prie pour vous, que vous puissiez le faire connaître comme vous devez en parler. Que vous puissiez le faire connaître comme vous devez en parler. L'apôtre Paul dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. On fait ça avec sagesse, rachetez le temps, on réalise qu'il n'y a pas de temps à perdre. Et il dit au verset 6 Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. La parole que nous proclamons doit être une parole de grâce. C'est une bonne nouvelle que nous proclamons, assaisonnée de sel, un sel qui donne soif, un sel qui purifie, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous sommes appelés à parler, à dire et à proclamer cette bonne nouvelle. Quatrièmement, une mise en pratique. Nous devons mettre en pratique ces choses. Pas simplement ce matin en parler, vous savez qu'ici, et puis pour ceux qui nous écoutent sur Internet, ils ont l'habitude de cela, et vous, évidemment, vous le savez, que pour nous, lorsque nous ouvrons la Bible, ce qui est important, ce n'est pas simplement de savoir, de comprendre, de connaître, mais c'est de mettre en pratique. On en a parlé dimanche passé. À quoi ça servirait de, de connaître si on ne met pas en pratique À quoi ça servirait d'avoir la clé si elle ouvre rien et qu'on n'ouvre pas la porte Nous avons besoin de mettre en pratique ces choses. L'apôtre Paul dit à Timothée Je te demande solennellement, devant Dieu et devant Jésus-Christ. Et il dit C'est solennel. Et cette demande s'adresse à nous aussi ce matin. Devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande au nom de la venue de christ et de son royaume et voilà ce qu'il demande prêche la parole de dieu avec insistance annonce ce message avec insistance que l'occasion soit favorable ou non quelqu'un dira oh c'est pas le temps quand il y aura un réveil au québec je prêcherai l'évangile quand les gens seront convertis je leur annoncerai Jésus. Ce n'est pas logique cette affaire-là, ne trouvez pas Quand les gens seront chrétiens, je leur parlerai de Jésus. Ils en ont besoin avant. Oui, mais c'est pas favorable, mais c'est là qu'ils en ont besoin. C'est justement quand l'occasion n'est pas favorable qu'ils en ont le plus besoin. Que l'occasion soit favorable ou non, soit persuasif, adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite, mais ça, c'est tout à fait fou. Non En conclusion, en conclusion, j'arrive dans Actes chapitre 4, et dans cette conclusion, vous comprenez qu'on est dans cette introduction à cette série qu'on va avoir dans ces prochaines semaines. Laissez-moi vous parler de Jésus, et qu'on ne veut pas que ce soit juste. Une personne qui parle de Jésus, en l'occurrence moi-même, mais que chacun pour notre part, on puisse parler de Jésus à ceux qui nous entourent, qu'on puisse mettre ses paroles en pratique. Vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à, à partager. Et euh, ce soir, on sera dans Actes chapitre 4 et verset 29, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, ou la prédication sera sur MP3, sur le site de l'Église de Pentecôte de Dromondville. Mais nous voulons parler, vous savez, de ce temps où. Où le Saint-Esprit est descendu sur l'Église, les murs ont tremblé, on dit Waouh, c'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut, d'accord. Mais le contexte dans lequel cette, cet événement a eu lieu, ils sont en train de dire Seigneur, on veut annoncer l'Évangile. Il y a de la menace, il y a des dangers, mais on prie pour que nous puissions continuer à annoncer l'Évangile. Bon, je ne vais pas prêcher la prédication de ce soir. Je veux conclure juste avec Acte chapitre 8, verset 40. Philippe, c'est un autre Philippe que celui qu on, dont on a parlé tout à l'heure, mais. Euh, oui, on est dans Acte 8, 40. Philippe se trouva à Azote, et puis d'où il alla jusqu'à Césarée. Donc Philippe est en train de faire juste un chemin ordinaire. Il doit aller d'un lieu à l'autre. Mais dans son voyage. Il ne dit pas ⁇ je vais faire du tourisme ⁇ il ne dit pas ⁇ alors que je dois voyager ⁇ ben tiens, je vais... Non, non. En évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il a une route à faire, il dit ⁇ je veux pas que cette route serve à rien ⁇ Partout où il passe, il évangélise. Et le même verset dans la Bible en français courant s'est traduit ainsi. Philippe se retrouva à Azote, puis il passa de ville en ville en annonçant partout la bonne nouvelle. Jusqu'au moment où il arriva à Césarée, et que ça puisse être notre, notre réalité ce matin, que partout où nous allions, nous puissions annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Si vous êtes venu ce matin pour la première fois, vous ne connaissez pas Jésus, on veut vous dire qu'il est extraordinaire et que. Faites pas comme Nathanel qui dit non non moi j'ai mon idée. Nathanaël avait son idée mais elle était fausse. Elle dit, Mais comment ça Viens et vois. Lisez vous-même, constatez par vous-même. Et vous, je suis persuadé, vous aurez la même conviction que nous. Jésus est extraordinaire. Dimanche prochain, on parlera de qui est Jésus et on va, durant ces prochains dimanches, eh bien, parler de Jésus. Proclamer, c'est peut-être l'occasion d'inviter quelqu'un à écouter ce message et vous-même aussi raconter racontez, dites, parlez de Jésus autour de vous. Vous êtes appelés à cela. On prie ensemble. Il est bon, Seigneur, d'être dans ta présence ce matin et nous voulons parler de toi. Seigneur, au dedans de nous-mêmes, il y a tellement d'amour pour toi, il y a tellement de feu, de passion, de zèle. Comment ne pas raconter tes prodiges, tes merveilles, toutes les belles choses que tu as faites pour nous? Comment, Seigneur, nous taire alors que nous avons tellement reçu de toi, nous voulons donner de ce que nous avons reçu. Nous disons, Seigneur, merci d'encourager, de fortifier. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as donné. Au contraire, un esprit qui remplit de force, de sagesse, d'autorité, de puissance. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs et chacun d'entre nous dans la mission que tu nous as confiée, de proclamer, d'annoncer cette bonne nouvelle, de parler de toi. Nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier. Nous ne sommes pas de ceux qui avons honte de toi, mais nous voulons au contraire, avec fierté, être les ambassadeurs de Jésus et parler en ton nom et raconter, dire toutes les splendeurs, toutes les merveilles du message de l'Évangile. Je te prie pour les gens qui nous entendent peut-être pour la première fois, qui, qui te connaissent peu, qui te connaissent mal, Seigneur, qu'ils puissent simplement venir, qu'ils puissent simplement te voir et t'entendre. Et nous prions que par ton esprit, toi-même, tu puisses mettre une conviction dans leur cœur. À ton nom soit toute la gloire. Amen.